head off. They break away over 9 furlongs. An awkward exit by Real Appeal at the back of the field, and there's the Group 3 Melt Stakes. And it's Tarawa and Bold Discovery going on by 2 lengths to Diego Velasquez, followed at the end of a furlong by Bright Stripes. As they race down the far side with a little over 7 furlongs to go. Matching strides, Bold Discovery and Tarawa being tracked by Diego Velasquez and then Bright Stripes, being followed inside the final 6.5 furlongs by Without Words. And then last year's winner, Self Belief, and trailing the field is Real Appeal. Inside the final 6 furlongs, and it's Bold Discovery who moves on in front under Shane Foley, with improving on the outside Diego Velasquez and Ryan Moore to edge into second place from Tarawa and Chris Hayes. Last time winners here of the Glencairn, 3 lengths to Bright Stripes and Ben Cohen. Next on the outside is Without Words and Dylan Brown McMonigal, with at the back of the field Self Belief, Billy Lee, and Real Appeal, Ronan Whelan. They've passed the halfway stage, less than 4 furlongs to go, and the first three are covered by just over 2 lengths. Bold Discovery from Diego Velasquez on the outside. In between them is Tarawa, followed past the three by Bright Stripes, nudged along, then Without Words, Self Belief, and last of all is Real Appeal as they turn into the straight. Bold Discovery rechallenged by Tarawa, who swings wide, forcing to the center of the track Diego Velasquez, and then Bright Stripes, who's followed by Without Words, Self Belief, and then Real Appeal. They're panned right across the track, and Diego Velasquez on the left has come to pick it up from Tarawa, and then Bright Stripes, who runs on over on the far side. But it's Diego Velasquez who's come right over on top of us, is way and gone in the Mel Stakes, recaptures his form as Diego Velasquez. They're off, racing away. It's 1.5 miles in front of them for the King Edward VII Stakes. On settling down, handy is Agenda in those blue and orange colours. Moving up there towards the inside is Chief Little Rock under Wayne Lorden. It's going to be Chief Little Rock who now shows from Agenda and the Euphrates. Voyage is quite keen behind him to the inside in those red and green colours. In the two shades of blue, that's Defiance tracking the speed. A little bit wider out on the course than is Macduff. He's quite keen, caught out deep there in those first-time cheek pieces. Behind the early gallop, Harper's Ferry and Royal Supremacy, Diego Velasquez held up in the midfield. Behind him is Space Legend. More towards the inside of him is Theory of Tides. Much further back is War Rooms, together with Caladagan. And the overall trailer is Mondo Man under William Buick. Racing away around to the bottom, and it's Chief Little Rock. He holds the gallop of about 2 or 3 lengths now, going along out in front. Nicely ahead of Macduff in second position. Voyage is matching strides with Agenda. They are 3rd and 4th. Then came Defiance. Behind Defiance is the Euphrates in the green. Another 1.5 away to Harper's Ferry, Space Legend, Diego Velasquez. And then much further back to Royal Supremacy in the red and gold silks. Theory of Tides is still some way towards the rear, in company there with War Rooms and Mondo Man, and Caladagan is with that back trio. Racing now inside the final 0.5 mile, and out in front, Chief Little Rock has developed a cushion of nearing 4 lengths at the moment from Macduff. Agenda will start the turn towards home in third, the Euphrates in fourth. Defiance is ridden for more. Harper's Ferry goes all right. Voyage has lost ground. Space Legend and Diego Velasquez are trying to go on the improve at the top of the home straight. And Macduff has now moved into the lead as Chief Little Rock weakens. Here comes Agenda. Big White Face, Harper's Ferry, then the Euphrates and Space Legend. Caladagan's building up an effort towards the outside in the green. They're racing towards the final furlong and a half. And Caladagan has stormed into the lead under Stéphane Pasquier. Has taken 3 lengths out of the field in no time from Space Legend, then Royal Supremacy, and Mondo Man's running on from the back. But Caladagan's going to be a runaway winner of the King Edward VII Stakes. Caladagan for France, seeing off Space Legend, then Royal Supremacy and Mondo Man, followed by the Euphrates, then. Voilà qui se lance pour cette nouvelle.
nouvelle édition du Qatar Prix du Jockey Club. 2100 mètres à parcourir. Fast Tracker a pris un très bon départ comme Diego Velasquez à son extérieur. Ramadan progresse en dehors. Il y a à l'intérieur le numéro 10, Ghost Rider, alors que le 8, Look de Vega, se retrouve au centre devant Alcantor, devant First Look, devant Sozi, suivi encore par Dollar Index. À l'arrière-garde, il y a le numéro 12, Arrow Eagle. Il y a également le numéro 8, Mandoman, lequel a concédé plusieurs longueurs à l'ouverture des stalles de départ. Un rythme toujours emmené par le favori Fast Tracker qui a l'avantage sur Ramadan. Diego Velasquez se retrouvant à 3 le nez au vent, pendant que Ghost Rider a la bonne course à l'intérieur. Look de Vega et Ronan Thomas sont en 5e position. Plus loin, galope Sozi, Alcantor ou encore First Look. C'est le train des Fabre pour le moment qui vient au cœur du peloton. Gretchen Storm est plus loin, Sunway, Kazakh Jaune, Tok Jaune est en 8-10e position avec Dollar Index. Atlas le galopant plus loin, Harry Gunn est en avant-dernière position devant Mandoman. Le passage devant les grandes écuries est bientôt le dernier tournant avec le Fast Tracker qui vient devant Ramadan à l'extérieur, accompagné 3e par Ghost Rider et 4e par Diego Velasquez, devant Look de Vega, devant Alcantor, devant Sozi, devant First Look, devant Gretchen Storm. À l'arrière, Dollar Index avec le numéro 7, Sunway, devant Arrow Eagle, accompagné ensuite par Atlas et en dernière position par Mandoman. Et la lueur n'est pas très sélective pour le moment. James Doll qui contrôle devant avec Fast Tracker. Ramadan est à demi-longueur de lui devant Ghost Rider. Devant la vaincue, Look de Vega qui est en 4e position. Diego Velasquez commence à être commandé par Ryan Moore. Il est 5e. À l'intérieur, Sozi pour le moment dans la boîte, 6e à sa hauteur. First Look, Alcantor dans le sillage de Diego Velasquez devant Gretchen Storm. Un peu plus loin évolue Atlas ou encore Mandoman qui tente de venir. Sunway est au centre à 400 mètres du poteau. Ramadan et Diego Velasquez accélèrent. 400 mètres à parcourir, Diego Velasquez qui vient à l'extérieur de Look de Vega avec Sozi qui vient 3e. Alcantor est à l'extérieur, First Look également qui tente de refaire du terrain. Look de Vega qui repart encore et qui a maintenant une longueur devant First Look qui vient en dehors avec Alcantor qui vient 3e devant Sozi qui tente de refaire du terrain. Look de Vega qui va conserver sa invincibilité s'imposant dans le Jockey Club. La surpuissance de Ronan Thomas qui s'impose pour la famille Lerner. Look de Vega. 1600 mètres à parcourir. Metropolitan est bien parti comme Eben Shaddad ou encore le numéro 3 Horn accompagné par Alcantor et par le numéro 5 Ramadan. Il y a ensuite le numéro 13 Diego Velasquez où est le grand favori, le numéro 10 Henry Longfellow. Il est pour l'instant dans la deuxième partie du peloton. Il vient devant Super Cool, devant le 4 Beauvatier, devant l'As Kéran et le 2 Rochevar. Et comme chez les Pouliches, c'est un Britannique qui anime la course. Le numéro 3 Horn, Alcantor est en deuxième position devant Metropolitan avec ensuite Eben Shaddad en rouge devant Ramadan. Pushkin est à la corde, Dancing Gemini vient ensuite à la hauteur de Diego Velasquez. Super Cool est à l'arrière avec le favori irlandais Henry Longfellow, devant encore Beauvatier, Rochebar et Kéran. Pousse ligne droite avec Horn devant Metropolitan, Alcantor 3e et Ben Shaddad et 4e Ramadan à l'extérieur, Pushkin côté corde, Diego Velasquez en dehors devant le 7 Dancing Gemini, devant Super Cool, devant Kéran ou encore Beauvatier, alors que nous avons Rochebar également qui est parmi les derniers. Entrée de la dernière ligne droite avec Horn qui a toujours le meilleur, attaqué par Alcantor, attaqué par Ramadan qui vient maintenant sur la ligne de tête devant Eben Shaddad, Diego Velasquez, Super Cool, Henry Longfellow, le favori est encore assez loin. Ils accélèrent encore avec Ramadan, Kazakh Leclerc qui vient au centre, avec Alcantor qui vient côté corde, Metropolitan qui est 3e, et puis à l'extérieur également le numéro 13 de Diego Velasquez. Ramadan pour la victoire avec le numéro 7 Dancing Gemini, avec Metropolitan également numéro 6 qui accélère à l'intérieur. Metropolitan qui a pris l'avantage, Metropolitan qui a le meilleur devant Dancing Gemini. Metropolitan s'impose, Dancing Gemini est deuxième.